Ça fait 17 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu ça. Un autre meurtre à Montréal. Ce qui est inhabituel dans ce cas-ci, c'est l'endroit où ça s'est produit, à deux pas du musée des Beaux-Arts, dans un quartier cossu où les maisons se vendent plusieurs millions de dollars. Un secteur paisible et touristique du centre-ville. Vers 8h30 jeudi matin, le SPVM a reçu un appel 911 pour un homme de 55 ans qui aurait été poignardé à mort. Et rapidement, le décès de l'homme de 55 ans a été constaté sur les lieux. Dans quel état était-il Est-ce qu'il y avait des blessures euh... Ce qu'on sait pour le moment, c'est que le corps comporterait des à notre arrivée sur l'avenue du musée, près de la rue Sherbrooke, les policiers avaient déjà érigé ce large périmètre de sécurité. De cet angle, on a une vue obstruée par les véhicules d'urgence. On n'arrive pas à voir la résidence où le crime s'est produit. Une recherche sur Internet avec l'adresse 3415 du musée nous montre la résidence en question. À l'intérieur, les premiers répondants ont retrouvé le corps inanimé de la victime dans une mare de sang. Vous n'avez pas vu de suspect partir en trombe avec une voiture, quelqu'un marcher, non? Hein? Non, non, monsieur. Les voisins de la scène de crime, du moins, ceux que nous avons abordés n'ont rien vu. Les enquêteurs vont évidemment visionner les caméras de surveillance qui auraient peut-être filmé le suspect qui est toujours au large. C'est choquant à Montréal. On se demande qu'est-ce qui se passe, là, surtout dans des secteurs tu sais, où il n'y a pas de violence. Vous êtes le premier étonné. Là, vous... Il ne se passe jamais rien. C'est quand même brutal comme crime dans votre quartier. J'étais en état de choc. Le conseiller municipal du quartier Serge Sasseville est venu à notre rencontre en après-midi. Manifestement, il est inquiet face à la violence dans la métropole. Il va vraiment falloir que le chef de police, Fadi Daguerre, ait un plan rapidement là, pour rétablir la sécurité dans le centre-ville de Montréal parce que là, les citoyens ont perdu leur sentiment de sécurité. Puis ça, c'est grave. Enfin, l'homme assassiné s'appelle Arthur Ketikian. Le mystère demeure complet parce qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il possédait des compagnies dans le domaine des services d'alimentation et de l'équipement en restauration. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.